Kerry, ici à l'usine de Granby, c'est environ 70 employés. On fait de la recherche et développement et aussi on a une usine spécialisée dans les arômes. Premièrement, on a un comité de santé et sécurité qui est très actif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on manipule environ des centaines de gros contenants. Là. Quand je dis des grands contenants, on parle des drums. Différentes formes, différents poids. Nous aussi, une problématique qu'on avait, c'était surtout la manipulation de barils. Puis c'était au niveau ergonomique. Dans la dernière année, on a eu environ 7 incidents qui ont été reliés à de la manipulation de barils, soit des gens qui se blessaient au niveau du dos, ou bien des fois qui se faisaient coincer les doigts ou s'accrochaient le bras en essayant de les manipuler. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver une optique qui permettrait d'améliorer cette manipulation-là sans nécessairement prendre plus de temps. Avant, tout ce qui était en baril était cherché avec des lifts sur palette. Il fallait s'organiser pour mettre le baril sur les fourches, pencher les barils à bras. Même si on est deux personnes, mais ça fait un 100 kg chaque à pencher. C'est trop pesant pour le dos. Alors, ce qu'on a fait avec nos barils, ceux qui étaient utilisés le plus souvent, bien, on les a mis sur des petites plateformes à roulettes. Puis, à l'intérieur de ceux qu'on utilise pratiquement tous les jours, bien, on a mis un système de pompe qui permet de brancher la pompe sur le moteur en faisant seulement que rouler le petit chariot vers l'endroit de travail. Puis ça facilitait de cette façon-là la manipulation. Puis ça évitait aussi aux travailleurs d'avoir à manipuler des produits puis de forcer des fois de façon inappropriée avec le dos. Par la suite, les gens sur le plancher ont participé aux essais pour voir la faisabilité. Puis nous, ici, dans l'entreprise, le comité de santé et sécurité est vraiment diversifié. Donc, de cette façon-là, on est capable d'avoir le pouls de chacun des corps de travail, puis de voir si les gens ils sont satisfaits des réalisations ou les améliorations aussi qu'ils aimeraient voir apportées. Oui, je suis fier de travailler avec ces équipements-là parce que je le ressens moi-même dans mon corps. J'ai moins mal dans le dos. Et...